Un premier date ou un dîner en amour en perspective et vous ne savez pas comment vous habiller, je vous donne des idées de look juste après ça. Hello, je suis Elodie Thierry, bienvenue pour une nouvelle vidéo dans ma chaîne Back to the Couture. Si vous cherchez des conseils pour vos looks, pour comprendre les bases de la couture ou pour customiser des vêtements, vous êtes au bon endroit, cette chaîne est faite pour vous. Pour vous sentir sexy, belle, sûre de vous, gardez une chose en tête, soyez à l'aise dans votre tenue. Voici ma to-do list des choses à faire avant même de commencer à créer votre look. Première chose, c'est en étant bien dans votre corps que vous allez rayonner et attirer l'autre de manière inévitable. Vous vous habillez pour vous sentir bien et pas simplement pour faire plaisir à votre actuel ou futur partenaire. C'est simple, aimez votre apparence. Deuxième point, je sais que parfois avant un rendez-vous, on stresse, on se met la pression pour pas grand-chose et on veut en faire trop. Ne cherchez pas à tout prix à ressembler à la dernière nana que vous avez vue sur Instagram avec des talons de 10 cm alors que vous n'arrivez pas à marcher avec. Soyez naturel, c'est ce qui paye. Prenez soin de chaque détail. Ils peuvent envoyer des signaux positifs ou négatifs sur votre personnalité. Par exemple, il vaut mieux une manicure impeccable qui montre que vous êtes soigné plutôt qu'un ongle rongé à la manucure douteuse qui lui montrera que vous êtes une personne anxieuse et qui n'a pas le temps de vous occuper de vous. Pareil pour les cheveux, on fait attention à ce que les cheveux soient clean, coiffés de façon naturelle. Pensez à faire un maquillage frais et même si vous n'êtes pas accro au make-up, trouvez le juste milieu. Hydratez votre peau, mettez une bébé crème et finissez par un petit coup de mascara pour faire ressortir votre regard de biche. Finissez par un baume hydratant qui rendra vos lèvres irrésistibles. Et la touche que je préfère, c'est le parfum qui va vous permettre d'affirmer votre personnalité. Dernière chose, mettez votre morphologie en valeur. Vous avez une jolie taille marquée ou de jolies jambes, montrez-les. Jouez et attirez le regard sur vos atouts. Vous avez noté toute la checklist? Si vous pensez à autre chose, marquez vos idées juste en dessous, en commentaire. En fonction de votre personnalité, vous pourrez vous retrouver dans une de ces silhouettes. On commence par la femme naturelle. À tout moment, je vous invite à mettre pause sur la vidéo pour pouvoir regarder plus attentivement les looks. On continue avec la femme classique. Et on termine par la fashionista. Que ce soit pour raviver la flamme dans votre couple ou simplement en allumer une, j'espère que ces looks vous ont plu et qu'ils sauront vous inspirer. On se retrouve vite pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup aux gens qui soutiennent la chaîne, aux nouveaux abonnés. Vous pouvez continuer à en parler autour de vous. Ça me fait vraiment hyper plaisir de voir la communauté qui s'agrandit de jour en jour. Je vous embrasse, passez une belle journée et un bon date.